Bonjour, donc frères et sœurs, on est toujours sur TV de vie. Oui. Je suis avec Adiara. Alors Adiara, donc tout à l'heure on a une petite coupure, donc on va juste pour réexpliquer un peu ce qui s'est passé. Donc vous avez été invitée ici. Oui. Vous êtes venue en tant que musulmane. Oui. Vous êtes venue voir ce qui se passait. Vous êtes, pourquoi? Parce que vous aviez entendu parler de quelque chose. Oui, j'ai entendu que je veux... Non, déjà... J'ai mon ex-mari. D'accord. qui prie. D'accord. Qui va à l'église. D'accord. Et quand il est, je l'ai dit, il a dit, je veux que tu vas à l'église. Donc, quand je dis pourquoi à l'église, il dit je veux que tu vas à l'église et puis tu verras ce qui est dedans. Mm-hmm. Bon, moi aussi, je suis partie. J'ai vu. Tu es venu avec le frère hein, qui est là. Vous êtes venu ensemble. Il est venu chez moi. Bon, ouais. Bon la sœur. Elle était musulmane. D'accord. Et quand elle est tombée malade, il n'y a pas eu de solution pour sa maladie. Elle était paralysée d'un côté. D'accord. Du haut en bas. D'un côté, d'accord. Et elle est allée à l'hôpital. Les médecins, ils ont dit que sa maladie, ils ne trouvent pas comment, ils n'ont pas pu trouver la solution. D'accord. Pour la guérir. Et son mari, son ex-mari, qui l'a dit, bon, mais avec, comme son mari était chrétien, d'accord. Il a dit, ta maladie là, c'est une maladie que Jésus seul peut te guérir. Mmh. Et elle a dit, mais où est-ce que je peux trouver Jésus? Alors, elle nous a fait appel à travers une sœur. D'accord. Et on est venu chez elle. Et on l'a demandé, est-ce que toi-même, tu sais que si tu acceptes Jésus, tu seras guéri? Elle a dit oui. Elle a dit, bon, on l'a demandé. Est-ce que tu veux que Jésus te guérisse? Elle a dit oui. Bon. On a dit, bon, mais avant que tu sois guéri, on va te baptiser. Est-ce que tu acceptes d'être baptisé? Elle a dit oui. Alors, on l'a baptisé au nom de Jésus. Et elle a, après ça, on a prié pour elle. Et voilà maintenant que Jésus l'a guérie. Jésus a commencé elle a commencé à parler. Et elle a commencé à marcher. Alors, elle a commencé à parler. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Elle ne parlait pas ou... Elle ne parlait pas. Oh. Elle ne parlait pas. Je ne parlais pas. Elle ne marchait pas. Je ne marchais pas. Elle ne marchait pas. D'accord. Et quand on l'a baptisée, une semaine, on a continué à la suivre, uh-huh. à aller prier avec elle à la maison et chez elle. Et à un moment donné, on est venu la visiter pour la troisième semaine. Elle a dit, ça commence à aller. Elle a vu que Jésus, elle a vu la main de Jésus. Uh-huh. Elle s'est levée. Elle commençait à marcher petit à petit avec un canne. Avec une canne, d'accord. Et voilà. Et voilà aujourd'hui que Jésus l'a guéri totalement. Comment j'ai parlé? Vu? Comment? Ce matin, parlait pas. Vous vous rendez compte? Même son langage est transformé. Hein? J'ai... Je ne parle pas. Maintenant, tu parles. Maintenant, je parle. Tu vois ça? Hein? Vous avez vu que Dieu a vaincu aussi hein, l'AVC, hein? Oui, oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure, justement? Donc, pour récapituler un petit peu, tu es arrivé en tant que musulmane un peu. Oui. Tu as vu que Allah ni Mohamed pouvaient te guérir. Ça ne passait pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et quand le pasteur m'a fait la bénédiction, il m'a dit assois là-bas. Oui. D'accord. Et puis je suis assois sur la chaise. Il m'a dit lève-toi. Je suis de lever. Il fit.
Elle ne sentait, tu ne sentais pas quelque chose. Tes jambes commençaient à. Tu sentais quelque chose dans ta jambe. Voilà. Ça là, il me dit. Tu sentais quelque chose. Voilà. Et puis, il m'a dit, lève-toi. Je me suis levé. Je commençais à courir. Tu t'es étonné, quoi. Oui. Je dis, ah, c'est mon pied. Oui, qui Qui c'est mon pied. Tu t'es levé sur tes pieds. J'ai commencé à bouger. À bouger. Alléluia. Qu'est-ce que tu as ressenti du coup? Qu'est-ce que tu as ressenti? Tu as commencé à bouger. J'ai commencé à bouger. Mais. Non, je dis non. Oh. Seigneur. Je ne savais pas. Voilà. Je ne savais pas. Le Jésus, il est bon. Il est bon. Tu sais pas. En tout cas, ce que tu sais, c'est que tu es venu, tu bois tête, oui. Tu repars, tu marches. Oui. C'est ça que tu sais. Oui. Et qui t'a guéri? Jésus. Amen. Est-ce que tu as quelque chose à dire à ceux qui sont peut-être musulmans, qui cherchent vraiment Dieu, et une petite parole peut-être pour ceux qui t'écoutent? Je sais que moi aussi musulman, je suis musulmane. Je dis à tous les musulmans. Converti à Jésus. Je vous jure, Jésus, il guérit. Moi, façon dont je suis moi aujourd'hui, Jésus va guérir. Donc, vous les musulmans, Jésus va vous guérir. Amen. Oui, et comme vous voyez, la sœur, les mots la manquent. Tellement elle est envoyée de joie de sa guérison, les mots la manquent pour qualifier Jésus. Voilà pourquoi elle vous invite à venir vous convertir et à accepter Jésus. Amen. En tout cas, Jésus, c'est chaud. Hein? Jésus, il est très, très, très puissant. Amen. Voilà, frères et sœurs, on en a fini. De toute façon, vous allez voir les images prochainement. Au revoir. Il est puissant.